wabarakatuh. Famille, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mais ça va venir, inshallah. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. Alhamdulillah, on va écouter des notes vocales dans cette émission, inshallah. Et puis, on voit ce que ça va donner. Ces notes vocales ne font que nous encourager. Et puis, voilà, ça nous motive dans ce qu'on fait. On l'écoute, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien, j'espère. Bon, moi je suis musulman et fier, pratiquant, mashallah. Je suis sénégalais et fier. Bon, je me suis abonné à vous sur Facebook il n'y a pas longtemps. Toute la journée, pendant toute la journée, je fais que de suivre des vidéos, des bonnes choses que tu es en train de faire, des choses importantes que tu es en train de faire, des choses que Dieu adore que tu es en train de faire, choses qui est très très importante pour notre religion que tu es en train de faire. Je me suis dit que pourquoi pas te contacter pour te remercier, pour te dire que nous, les Sénégalais, en tant que musulmans, on est fiers de toi. Pourquoi pas ne pas vous remercier toutes les bonnes choses, toutes les choses importantes que tu fais pour ton propre religion. Franchement, moi, je suis fier de toi. Encore une fois, merci beaucoup. Amen. Encore une fois, Djeredjef. Amen. Merci beaucoup, cela veut dire en Wolof, Djeredjef. Non, je connais. Merci beaucoup, encore une fois. C'est pour cela que je t'appelle uniquement. J'ai pris ton numéro sur Facebook pour t'appeler uniquement pour te remercier. Voilà, et je vais continuer à te suivre. Inch'Allah, ça va me faire plaisir. À partager, de liker et de aimer. Et de faire des bons commentaires. On veut la santé et longue vie, Inch'Allah. Les deux choses. Beaucoup de chrétiens et pasteurs sont devenus musulmans. Donc, tu as la fierté Amen. De notre religion aujourd'hui. Encore une fois, Djeredjef. Merci. Djeredjef à toi également. Nagadef. D'accord. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Sénégal. Hein. Je salue ma sœur Omoulo, la présidente DDR Zeynab, également tous ceux qui nous suivent à travers le Sénégal, partout au Sénégal, c'est pas seulement à Dakar, partout au Sénégal, en passant par Ziguinchor. J'ai retenu Ziguinchor parce que c'est là-bas les éléphants ont rapporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1992, voilà, à Ziguinchor. Donc, voilà. Donc, je salue toute la population sénégalaise, Inch'Allah. Qu'Allah met la paix au Sénégal, surtout. Voilà, qu'Allah stabilise le Sénégal. Et on fait droit pour vous, Inch'Allah. On viendra au Sénégal, Inch'Allah, après les élections. Et voilà, la présidente a confirmé, elle est en train de voir même. Ah, voilà, Oustaz, on va lancer un appel pour ceux qui peuvent nous soutenir pour votre arrivée au Sénégal. Donc, ceux qui veulent nous soutenir pour notre arrivée au Sénégal, Inch'Allah, on va vous mettre en contact avec la présidente de la DDR, qui est aussi accompagnée de d'autres personnes qui encadrent, n'est-ce pas, surtout les convertis de la DDR au Sénégal, également d'autres personnes. Donc, ceux qui veulent nous soutenir pour notre arrivée au Sénégal après les élections, contactez-moi dans mon inbox avec le numéro qui passe au bas de l'écran. On va vous donner le nom et les numéros à contacter là-bas pour les soutenir, surtout. Donc, DDR au Sénégal, Inch'Allah, c'est très bientôt, avec la grâce d'Allah, et puis vous pouvez nous soutenir également. Contactez-moi avec les numéros. On va organiser. Ange Amadeus, salam alaikum mon frère, ça va bien? Merci à toi mon frère. On passe au suivant. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi. Voilà, je vais te convertir à l'islam. Elle est où ça? Elle est avec moi ici. Vous êtes dans quel quartier? Nous, on a Ouet et Rembeni là. C'est dans quel quartier? Pardon? Dans quelle commune? Non, c'est Pouet. Pouet, c'est où ça? Ouais, Pouet, c'est vers le Croix-Rouge là. Quand j'arrive au Croix-Rouge. Faut dire Yopougon.
Moi, il dit commune, tu dis poète. Il faut dire Yopougon. Ah, c'est ça, la commune. Ok, d'accord. Elle est où ça? Elle est avec moi ici. Ok, faut me la passer. Ok. Ouais. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Ah, je dois te demander, je dois te dire, sois béni ou bien je ne dis plus ça. tu étais chrétienne? En quelque sorte, mais je ne suis pas convertie en chrétien. Tes parents sont chrétiens? Non. Ils sont. Mais tes parents sont musulmans ou pas? Mes parents sont musulmans. Mais toi, tu étais chrétienne ou quoi? Oui, mais en fait, je ne passais pas à l'église. C'est un jour et une comme ça. C'est rare qu'il va à l'église, quoi. D'accord. Mais il ne faut plus aller à l'église. Faut devenir, tu as devenu musulmane maintenant parce que c'est la voie du salut. C'est la voie de la vérité. Si on te convertit en islam, il ne faut plus aller à l'église. Hein. Faut plus aller à l'église. Voilà. Donc, si tu te convertis en islam, nous, on a Yopougon ici. Si tu as l'occasion de passer au bureau ici, vous êtes de Trois-Rouges, non? Non, je suis à Yopougon, Pouet. Ah, mais lui, il a dit Pouet. On dit Kouet. Ah, lui, il dit Pouet. Moi, il pensait que c'est Kouet. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, pour devenir musulmane, il faut lever ton index droit. C'est sans obligation, tu deviens musulmane. Quand tu auras le temps, tu vas passer en Dokwa dans notre bureau ici, là. Il va te donner tapis de prière gratuitement, le Coran français gratuitement, le voile gratuitement, un complet de bazar gratuitement, etc., etc. Okay, comment tu t'appelles? Aïcha. Ah. Vraiment, Aïcha, Allah que Aïcha, il ne faut plus retourner à l'église. Hein. Ok. D'accord, il faut lever ton index droit et puis tu répètes après moi ce que je vais dire. Ibrogrenadel Laouri, tu comprends, Djula? Je comprends. Il a Ibrogrenadel Laouri, il veut mettre à Gadna goûter Nio. C'est quoi pour goûter sauce là? L'index là. C'est quoi pour goûter sauce? Voilà, la main droite qu'on prend pour goûter sauce là. Tu connais, non? On appelle ça l'index. Oui, je vois. Ah, je n'ai pas dit ça, tu n'as pas tout le monde qui connaît l'index. Donc quand tu dis goûter sauce. Voilà. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Ashhadu. Wa. Ashhadu. Wa. Ashhadu. Wa. Faut reprendre la partie là. Voilà. Faut dire wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Bon, faut dire Muhammad. 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 Rasoulou Allah. Rasoulou Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu que Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Muhammad est son messager. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu étais catholique ou bien évangélique? Évangélique. Ok, donc c'est bon. Il faut descendre ta main. Tu es devenue musulmane comme ça. Aïcha, tu gardes ton nom Aïcha. Aïcha, c'est l'une des épouses qui du prophète sur la salam. Aïcha, notre mère Aïcha. Donc toi, ton nom Aïcha, vraiment c'est un joli nom. Voilà, donc tu gardes ton nom. Et il ne faut plus aller à l'église encore. Tu as compris? J'ai compris. Donc, le jour où tu veux, tu passes au bureau ici à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Il va te donner mon numéro. Tu m'appelles, il va te remettre tout ce que j'ai dit là gratuitement. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Oui, oui. Bon, il faut lui dire, il n'a qu'à m'envoyer ton numéro WhatsApp par message. Ou bien, est-ce que tu peux citer ton numéro en même temps?
Oui, oui. D'accord, il faut me citer ton numéro WhatsApp. Hein. C'est quel numéro? Je vais donner ça à Kone. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salat wa salam ala Rasulillah. Après la conversion d'Aïssa, Aïcha, il y a un message que je reçois ici. C'est Yao Ahmed. Il est écrit ceci. Je m'appelle Yao Ahmed. D'abord, il m'a écrit salam et il a dit salut, frère. Il a dit salut à vous. À qui je parle, s'il vous plaît? Il m'a dit ceci. Je m'appelle Yao, Ahmed Yao. Je vous suis sur TikTok et je devrais me convertir à l'islam. Comme tu insistes, on va aller là-bas pour voir ce que ça donne. Et puis, on vous donne le résultat. On s'en va là-bas. Ceux qui veulent nous soutenir. Opération un internaute à partir de 1000 francs. Un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique. Vous savez, à nous soutenir, n'est-ce pas? Ceux qui veulent faire les zakats et tout ça, la mosquée est là. Si vous voulez le compte bancaire, on vous donne directement. Si vous voulez le Orange Money et tout ça, on vous envoie, vous participerez, Inch'Allah, par Western Union Money Gram. Allô, Yao Ahmed. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Asa. Ça va bien? Oui, ça va. Tu habites où, ça? Je suis à Ferke. Ah, Ferke. D'accord, j'ai dit, tu es venu ici, je m'appelle Yao Ahmed. Je vous suis sur TikTok, je voulais bien me convertir à l'islam, c'est vrai? Oui, c'est vrai. On ne t'a pas forcé, hein? Non. Tu es chrétien? Allô? Oui, allô. Vous êtes là pour ce poulet, quoi? Allô? Vous êtes là pour ce poulet? Vous êtes là à attraper poulet? Non, il ne fait rien. C'est mon petit frère qui fait bruit à côté. Bon, il faut quitter là-bas. Il faut t'éloigner un peu. On va parler en tant que. Voilà. Ah, il s'agit de saluer ici. D'accord. Tu as eu mon numéro comment? Je suis TikTok, j'ai vu. Un de vos débats là, vous avez mis votre numéro WhatsApp en bas, donc j'ai pris et vous avez écrit. Effectivement. D'accord. Donc, Yao Ahmed, c'est ça? C'est ça. Maintenant, comment tu t'appelles Yao Ahmed? Tu étais chrétien ou bien? Non, il m'appelle Yao Ahmed. Ah, hein, c'est pas Yao, c'est Yao. C'est Yao Ahmed. Ah, Yao, ok. Autant pour moi, Yao Ahmed. D'accord. Il n'y a pas de problème, Yao Ahmed. Donc, tu dis que tu es devenu musulman. Tu as vu mon numéro sur TikTok, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui... Tu étais chrétien? Je partais à l'église. Maintenant, quand je lis la Bible, je vois. Et puis, quand je pose des questions aux gens, on ne me répond pas. On me dit non, faut chercher. Et... Quand mon oncle même qui a fait la discussion, je lui ai dit, est-ce que je lui ai dit? Il m'a dit oui, c'est Dieu. Donc, moi, il dit non. Comment... Jésus est Dieu. Ce qui veut dire, c'est la maman de Jésus qui est. Comme elle, la maman de Jésus est Marie. Ce qui veut dire Marie est la maman de Dieu. Ça, c'est clair. Ah, c'est ça, si Marie n'est pas la maman de Dieu, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi? Mon enfant est Dieu et puis je ne suis pas maman de Dieu. C'est pas... Tu étais quoi, catholique ou bien évangélique? Évangélique, lui, je suis beaucoup Gédéon. Ton qui? Ton pasteur ou bien ton qui? Non, mon tonton là. Ah, ton tonton là. Il n'y a pas de problème. Donc, toi, tu as vu nos numéros et puis tu suis nos vidéos aussi, non? Oui, je vous suis beaucoup, mais il y a plein de vos vidéos ici. Ça forcément. J'ai fait débat à une de mes camarades, elle est évangélique. D'accord. Je lui ai dit, elle est venue, je lui ai montré quelque chose dans la Bible. Dans ma Bible, là, ce qu'ils ont écrit là, c'est la même chose dans elle pour elle. Je lui ai dit, ah, quand il te dit que non, le christianisme n'est pas vrai, là, on a pas de converti à l'islam, tu me dis que non, il m'amuse, tu sais que c'est faux. Elle me lance le défi. Si elle arrive à me convaincre, elle va continuer d'aller à l'église. Moi, je lui ai dit, comme, c'est comme ça, si aussi j'arrive à te convaincre, on va te convertir à l'islam ensemble. C'est clair. Il n'y a pas de problème. C'est clair. Et demain, on va faire le débat. Ok. D'accord. Donc, en attendant, toi, tu veux te convertir à l'islam? Oui, moi, je veux me convertir. Il n'y a pas de problème. Tu as Ferke, non? Je suis à Ferke. Voilà, on a DDA à Kachula, Kourougou. Est-ce qu'on est installé à Ferke? Imam Traoré, s'il me suit, il va me dire si on est installé à Ferke. Mais ce n'est pas grave. Quand j'irai au village, là, Inch'Allah, je vais faire une escale à Ferke. Je vais essayer de te rencontrer et puis voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Donc, Yao Ahmed, vous devez. Yao Ahmed, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut répéter après moi l'attestation de foi. Il faut lever ton index droit. Ok, c'est ça. Voilà, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu.
Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends la main, Yéhou, Ahmed, tu es devenu musulman. Voilà, à partir de cet instant-là, Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et tu n'iras plus à l'église. Tu es devenu musulman parce que Jésus n'était pas un chrétien. Il était un musulman. Et puis toi, tu deviens musulman aujourd'hui. On dit Alhamdulillah. Tu vois que les gens ne font que se convertir à l'islam. Il vient de convertir une soeur tout à l'heure. Elle s'appelle Aïcha. Elle était chrétienne aussi. Mais elle dit non, qu'on l'a trompée. Voilà, elle est partie à l'église et tout ça. Donc, on est en train d'arrêter l'hémorragie là comme ça. Vous allez revenir, Inch'Allah, dans la voie de l'éternel Dieu Allah, le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre qui ne meurt jamais. Donc, Yo Ahmed, ton numéro WhatsApp là, je vais donner ça à Imam Kone. Il va t'ajouter dans le groupe des convertis et puis on va t'apprendre à prier. Maintenant, la soeur qui veut échanger avec toi, elle est prête aussi à se convertir en disant tu m'appelles et puis on va faire sa conversion, Inch'Allah. Ok, ça y a compris. Merci beaucoup, Yo Ahmed. Merci, c'est à vous demain. D'accord, bonne soirée. Merci, c'est ça. Voilà, alhamdulillah, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, à ceux qui nous suivent à travers le monde. Donc, merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas la construction du centre islamique de la DDR. Hein. L'opération est toujours en cours dans le mois du Ramadan pour mettre leur soutien dans une bonne action. Nous, en tout cas, le centre est là. Le centre islamique DDR qui va encadrer les convertis, qui va former également les jeunes. Même les vieux, même les grandes personnes, tout le monde, même les femmes. On va encadrer tout le monde dans le domaine de l'interreligieux. C'est notre domaine. Donc, on encourage les gens à venir dans le domaine de l'interreligieux. On va vous encadrer dans l'hôtel. Même en ligne, il y aura, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui vont. Ceux qui veulent apprendre en ligne, ils sont en France, aux États-Unis, on fera des cours en ligne de l'interreligieux. Ceux qui veulent apprendre le Coran, uniquement le Coran, la langue arabe, la science islamique, il y a des maîtres coraniques pour ça. Ceux qui voudront apprendre le tafsir du Coran, les hadiths du Coran, tout ce qui est la science islamique, la jurisprudence, il y aura des maîtres coraniques ou bien des maîtres pour ça. Mais quand il s'agit de l'interreligieux, ça c'est nous notre spécialité. Oui, il est en train de... Bonsoir ma soeur, ça va bien? Comment t'appelles? Letty. Letty. Ok. Tu es arrivé au laboratoire de la DDR. Inch'Allah. Ah. Voilà. Aziz Bissimla, les nouvelles. Oui. Ah, c'est d'elle que tu parlais là? Ok. C'est comme une personne qui nous protège depuis. Ok. C'est-à-dire le premier, dans le bien d'un jeune, un de mon neveu et cadet. Donc ça fait depuis lors, elle était un peu nouvelle. Ouais. On savait que c'est moi qui fais des études. Ok. Elle fait son école, même dans la maison où elle habite. Ouais. Ouais. Maintenant, je vois qu'elle est dans l'allée. Elle n'est pas sûre. Bien sûr. Il y a un jour même, il y a eu même un soir. Ouais. Maintenant, j'étais là comme ça. Elle était malade. Parce qu'on lui avait passé un soir. Moi, j'étais là-bas toujours. On va à l'hôpital, les soins, c'est des trucs de 80 000, 150 000. Ouais. Que je ne fais que payer. Maintenant, arrivé là, c'est un moment, il a envoyé la soirée là. Ayat al-Kursi. Il m'a dit bon. Comme tu ne sais pas lui, au moins écoute. Ouais. Et puis tu mets. Maintenant, le gars assis devant la porte, elle écoutait. Maintenant, il y a un monsieur qui passait, qui a vu. Le monsieur lui dit, ce que tu écoutais, c'est tu sais. Il m'a dit d'écouter. Parce que j'ai mal au ventre. C'était quelque chose de mystique. Effectivement. On voit rien. Ouais. Donc, ça fait que maintenant, quand le monsieur a pris, il est venu à côté d'elle, il a décidé. Il a mis sa main, il a récité, et puis après quelques temps, il a commencé à vomir du sang. Aïe! Il y avait des asticots qui sont dedans. Ouais! Et du coup, elle vomissait tellement de sang qu'elle s'est pas mis. Quand elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ouais! Donc ça s'est avéré que, bon, ça fait un peu d'effet. Dès qu'elle a fini,
il y a un monsieur qui est venu se confesser. Ouais. Que lui, il faisait tout ça, il a mis maladie sur elle. La petite même, pour que moi, je m'éloigne. Parce que tant que moi, j'étais autour d'elle, il n'allait pas la voir. Ça, c'est clair. À chaque fois, quand il a maladie qu'il a mis, c'était pour que moi, je ne puisse pas me rapprocher. C'est-à-dire, j'abandonne. Ouais. Je dis, non, ne te pas trop, on le voit. Mais il ne fait, il, au fur et à mesure, lui, il a pu, au fur et à mesure, mais moi, je suis encore plus. Ouais. Je suis encore plus dedans. Donc, c'est ça, mais là, lui, il avait se confessé que non, c'est lui, il a voulu faire ça, tout. Donc, ça s'est avéré que, après, quand il a fini de se convertir, il allait à l'hôpital de mort. Et après, sa fille est morte. C'est la même maladie qu'il voulait mettre sur elle. Donc, après ça, ça a commencé à aller. Bon, c'est que, arrivé dans ce moment, moi, je ne comprends pas. J'ai commencé à comprendre que tous ceux qui veulent réellement, je ne sais pas, il y a quatre tout sur elle, mais tous ceux qui font du mal là, qui veulent faire sacrifier ça, et tout c'est très rien. Ouais. Quand j'ai pris, je suis parti là, je fais, comment on appelle mon nom? Béagola. Il y a un autre monsieur avant qui allait là-bas, là-bas, qui l'a voit comme ça un jour, qui vient à environ de 3 millions. Dieu. Tu ne connais pas quelqu'un, ni un qui tient à environ de 3 millions. Bon, il veut faire ses airs, il veut faire quelque chose de ses airs, mais il ne touche pas. Après, sa maladie a encore recommencé. Ça a recommencé. Jusqu'à ce qu'on nous a dit que non, il y a une guérisseur qui fait. Où ça va? C'est vrai, tu vois. Donc, ils sont allés là-bas, elle est restée avec le monsieur pendant combien de temps? Mais elle a vomi du. Elle a vomi de la viande. Chiaille. C'était du. C'était quelque chose de. C'est vrai, c'était la peur. C'était quelque chose de frais qu'elle a volé. Quand tu le mets mon petit plat, il dit non, c'est comme quoi on illustre les gens. Ouais, dans la sorcellerie, ouais. Tu vois, la viande même, c'est à quel âge. Maintenant, le monsieur dit que c'est pas la viande qui avance en grossir là. Il lui a donné petit. Et mais au fur et à mesure, ça grossit tout le. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ce que tu vas devenir, ça risque de te tuer. Donc, c'est dans ça qu'elle est restée jusqu'à. Elle-même a été montée depuis fort longtemps. Elle veut se convertir en islam. Mais à chaque fois qu'elle voulait faire, il n'y a personne pour la guider. Maintenant, moi, je lui ai dit ah, la décision qui revient. Moi, père, c'est des musulmans. Je veux te dire des mêmes musulmans. Effectivement. Puis c'est peut-être seulement des finances. Mais je ne peux pas influencer des finances qu'il ne ferait pas de futur à devenir. Mais il faut que ça vienne une volonté propre à toi. Donc, depuis que je suis venu, elle m'a dit qu'il courait derrière moi pour dire. Tu dis ce que tu viens cette fois-ci-là. Tu vas m'envoyer chez le monsieur là, il va me convertir. Donc, depuis là, tu tournes. Donc, comme c'est mon dernier jour aujourd'hui, et que si elle ne vient pas faire aujourd'hui, la faute va rester. C'est ça. Ça sera plus elle, ça sera maintenant moi. Donc, maintenant, moi, avant de partir, elle a tout fait aujourd'hui pour que je vienne. Effectivement. Et puis, elle aussi, ça, je pense que, en lui laissant la parole, je pense que c'est une volonté propre à toi. En tout cas. Hein? Mais j'espère qu'elle n'est pas forcée. Non. Ah, ok. Leti. Voilà. Attends ça là. Ça, c'est tapis de prière, c'est courant français. C'est. Voilà. Il y a d'autres choses dedans qui peuvent te permettre d'aller faire ta prière normalement et tout ça. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux savoir. Mec, après ta conversion, là, si vraiment tu veux. Certaines choses pour que tu t'éloignes là. Faut aller de mèche là. Ça, c'est trop facile même pour t'atteindre même. Mèche et tout ça. Les gens n'aiment pas ça. Ça dit que spirituellement même, c'est interdit à l'islam. Et Dieu sait pourquoi il interdit ça. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Tu enlèves tout ça. Ça n'a pas de sens, en fait. Tu es une femme. Celui qui te voudra, il te prendra comme ça. Celui qui ne veut pas de toi, mais qu'il passe son chemin, quoi. Tu comprends? Donc, nous aussi, comme lui n'est pas là, nous, on va t'encadrer dans le groupe WhatsApp des convertis. On va t'apprendre au fur et à mesure, Inch'Allah. Comme c'est lui qui t'a envoyé là, donc il n'y a aucun souci en cela, quoi, Inch'Allah. Mais il y a un voulu me dire, mais tu dis ça. Ah, ouais, là. Le dis, mais effectivement. Il y a un voulu me dire, mais tu dis, comment... En tout cas, voilà, parce que c'est complètement pas bon. C'est pas bon. Ça ne peut que t'en tirer les choses négatives seulement. Voilà, les mauvaises ondes, tu as tout compris. Il y a ça, il y a beaucoup de choses que... Parce que tu deviens musulmane maintenant, on ne va pas te... Il y a des choses, on ne t'impose pas un coup comme ça. C'est bon, c'est pas bon, hein. Mais on te dit non, tu vois, avec la manière, en fait, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Voilà, c'est plus mieux que pour dire, ah, si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer.
Donc il y a déjà, ils vont se rébeller parce qu'il y avait un enfer, maintenant ça va finir. Mais non. Voilà, avec la manière, je pense que ça va passer quoi, Inch'Allah. Ça va parler de sa vie éternelle. Parce que, faut lever ton index comme ça. Voilà, c'est comme ça, on fait vous devenir musulman, je vais faire ta conversion, tout ça, Inch'Allah. Tu répètes après moi. Faut dire Ashahadu. An. La ilaha. Illallahu. Wa Ashahadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Warasuluhu, j'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, et Mohamed est son messager. Tu étais chrétienne? Quel chrétien? Catholique? Ok. Et il faut répéter, et Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est fini. Tu descends la main parce que chez les catholiques, vous pensez que Maman Marie, il faut la vénérer et tout ça. Et quand tu deviens musulmane, son fils Jésus, là, il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Ma Marie même n'est pas une divinité, elle est la servante de Dieu. C'est Allah seul qui est la divinité et Mohamed est son messager. Tous les autres, c'est des prophètes et messagers. Ma Marie est la servante de l'Éternel. Donc actuellement, considère-toi comme une musulmane. Tu peux garder ton nom que tu as, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu prends un autre nom. Moi, maintenant, je vais prendre ton numéro WhatsApp pour t'encadrer dans le groupe des convertis. Le cadeau que tu as, là, tapis de prière, courant en français, et voilà. Tu pourras même lire la sourate dont Aziz t'avait donné là en français, ça est dedans, c'est la sourate 2. Et c'est 255, c'est la sourate du trône. Et c'est l'une des sourates les plus puissantes du Coran. On appelle ça la sourate du trône. Que tu fais en lecture, en audio que tu écoutes, ou bien quoi, ça fait effet quoi. Voilà. Donc tu vas donner ton numéro WhatsApp. On va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Quand lui ne sera pas là, nous on prend le relais quoi. Inch'Allah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est la sourate 2, 255. La sourate 2, verset 255, c'est ça qui est la ayat al-Kursi, c'est voilà, le verset du trône, c'est ça. Voilà, c'est une sourate voilà, qui, même ceux qui veulent, par exemple, faire la rokia et tout ça, non, tu peux faire ta propre rokia. Hein. Tu lis la sourate 2, 255, en arabe, tu frottes ton corps, tu dors. Voilà, donc, il n'y a pas de souci. Donc, Aziz, c'est bouclé, non? Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, elle sera avec nous. Nous, on va l'encadrer. Dis à quelque chose là. Tu connais le quoi, nous? Ici, oui. C'est pas caché. Oui. Son bureau de là. Si tu veux, tu peux te secrétaire. Sans problème. Allez, va donner mon numéro. C'est WhatsApp. Tu peux m'en. Ah, tonton, il y a ça. Tu voilà. Nous, on va gérer ça. Ok. Thank you.